beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 10, Aladia. Le deuxième ange du cœur des anges chérubins s'occupe d'harmoniser et de répercuter les énergies d'Uranus et de Saturne, de les faire descendre aux réalités matérielles. Cet ange représente le pardon du karma, non pas un pardon général, comme celui de Asiel, mais le pardon du karma qui concerne l'incarnation présente. La personne peut se libérer de son passé, de toute difficulté ou contrainte pénible, et ainsi tout recommencer. Régénération du corps en tout premier lieu, guérir des autres et soi-même. Les eaux, surtout, régies par Saturne. Puis, régénération morale, et avec elle, effacement de toutes les fautes et erreurs du passé. Prière à l'ange Aladia. Aladia, aide-moi, ange Aladia, à répandre sur mes frères les bontés que de toi j'ai reçues. Mets-moi au travail, au service des autres. Fais qu'au travers de moi, ils puissent recevoir ta force qui illumine et qui guérit. Aide-moi, Aladia, à devenir juste et à utiliser avec sobriété les biens que tu m'accordes. Fais-moi pencher vers le partage et la générosité. Fais de moi un bon avocat pour défendre ceux que l'ignorance a transformés en coupables. Fais-moi, ange Aladia, le distributeur de tes biens, le porteur de ta grâce, le réalisateur de tes œuvres d'amour. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.